Bonjour, bonsoir la famille, comment nous y est? Bienvenue tout le monde. C'est toujours un plaisir pour moi avec nous dans l'émission Panorama, mon éditorial avec Yannick. M'a rappelé au sous taxe 609 tout haïtien connecté sous pourquoi abonner. Pas perdre du temps, râler téléphone, nous taper tac monter sur YouTube là, taper taxe 509 et puis abonner, activer petite cloche notification et comme ça on va pas rater aucune vidéo. N'a pas gagné pour nous poster. Bon, aujourd'hui, en la émission, ça, son émission que, ou même ensemble avec nous pral faire là. Pendant que vous finissez abonné sur votre confrère, ça, tout qu'il y a des téléphones, non? Parce que dans l'émission, aujourd'hui, en la, nous avons quelques questions pral poser. Et c'est à partir de questions, ça, vous l'offrez une réponse, ça pral aider à comprendre plus bien ça qui a passé sous scène politique là en Haïti. Ça qui a passé dans la question politique. Dans la question crise politique, instabilité politique, président pas jamais ka fin fè mandat ou pou paquet bagay ou pral rive comprendre yo. Eh bien, question mgenye pour nous commencer émission jodi an la, nous tout dérapé. Si m'ta dou fon listing, si m'ta dou fon list, dans 30 dernières années sa yo, fom kou garçon, moun ki passe nan tête l'État, qui occupe diverses catégories, soit président, soit premier ministre, soit secrétaire d'État. Nan poste yo ya, nan fonction que yo occupe ya, selon ou même qui pat rive bay résultat, qui pat rive délivrer sa population, sa peuple a tap tan nan. Pendant tout temps yo passe nan poste nan, yo pas réglé rien selon ou même. Fè lisan, voyez réponse ou ban mwen nan numéro émission 38-96-38-19 pour dire, mais d'après ou même, même moun ki passe nan tête pays pendant 30 dernières années sa yo, d'après ou même ki pas réglé rien pour pays ki pas fait rien pour changer condition la vie moun, et ki ton commentaire, écrit en commentaire parce que m'ap la pou m répondre. Mais on l'autre bout tout, si m'ta dou, fè yon lis. Autorité, on lis femme ou garçon qui passe dans tête l'État. Pour 30 dernières années, ça yo, dans différentes catégories postes, qui te rive by résultat. Qui te rive délivre marchandise yo te pote pour peuple là. Qui te rive by résultat escompté. Qui te rive font bagay pour pays pour retirer nous côté de non point A, non point B. Dans l'issa, qui est dirigeant t'a mette? Qui est autorité t'a mette là-dedans? Ma ton réponse parce que faut nous arriver. Fais balance, évaluer acteur yo pour nous comprendre exactement ça na vive journée jodi an là dans pays. Pas peur parler, non, pas peur parler parce que sous peur parler là, il y a une plus difficile. Mais on l'autre bon faut moi dire journée jodi an là ça na vivant dedans pays an. Ce n'est pas un bon matin, nous lever, nous jouer une gang, nous jouer une bandit, nous jouer une stabilité politique. Ce n'est pas un bon matin, on tende, moun pa ka passe Matisan, moun pa ka passe Ekwale Bouke, moun pa ka passe Kanaran, et question la Tibonite, là, c'est tête chargée, on question vite l'homme dans tabato, sel peigné, reprend. Ce n'est pas un bon matin. Il y a tout un processus qui crée un exaïo, qui crée un bandit, ça yo. Qui crée criminel ça yo, c'est tout ton processus. Il y a tout ton catégorie monde yo, il y a divers mais qui trempé dans sauce insécurité, dans sauce instabilité qui mette pays en côté lié journée jodi là. Eh bien, il y a un pile acteur qui passe dans des pays tant que nous gaou. Nèg sa yo, moun sa yo tant que nous gaou, yo créé condition pour gang fin prend pays. Yo créé condition pour insécurité blayi nan salon la caillou nou pour bandi mete deyò nan quartier nou et puis jounen jodi an c'est yo même qui vin ap constater dégâts c'est yo même qui vin chita mete tête yo ensemble pour yo di amway woy ça ka passe Haïti a li trop mal li trop dur peuple pa capable encore c'est yo k ap constater dégâts lou ga ou manje petit tout la pèdo kriye. Malfecté à tout, et petit tout, c'est lui même qui a bo kop pour acheter ses cueils, pour faire enterrement, pour faire veiller, c'est lui qui a poté boisson, c'est lui qui a poté café, c'est lui qui a poté pain pour bailler en veiller. Alors que c'est lui qui mange petit tout, c'est lui qui touille petit tout. Eh bien, hier, gagné forum ancien premier ministre haïtien,
qui mettait de yon appel patriotique un document qui intitulé appel patriotique du forum d'anciens premiers ministres FAPM. Eh bien initiateur document ça moun ki signé document ça c'est sept anciens premiers ministres. Nous gen ancien premier ministre Jean-Max Bellerive, c'est IRH. Nous gagnons ancien premier ministre Laurent Lamotte, côte comme Beto Caribé. Nous gagnons ancien premier ministre Evans Paul, même coup de bâton, côte comme Beto Caribé. Nous gagnons Enek Jean-Charles, transition, côte comme Beto Caribé. Nous gagnons Jacques Guy Lafontaine, l'agent Beto Caribé. Nous gagnons Jean-Henri Seyan et sous Jovenel Moïse. Et puis nous gagnons Joseph Jout, ancien premier ministre Jovenel Moïse. Eh bien, dans le document ça, que cet ancien premier ministre ça yo signé là-dedans pour yo mettre dehors. Ailleurs mercredi 9 août là, c'est pour yo lancer un appel patriotique côté que yo pral constater des gars qui gagnent qui fait en dedans pays. Côté yo pral constater que Haïti nous quitter stade malignant qu'on y a ces cancers nouillé bagaille là vraiment grave bagaille là vraiment difficile qui ça qui doit fait avant même rentrer dans document avant même commencer ba nous détails pour me lire pour nous pour m'aider nous comprendre ça qui dit là dans lio m'a retourner sous statut sept nexayo qui signé document c'est sept anciens premiers ministres. Sept anciens chefs CSPN, sept anciens chefs de décision, moun qui te dans des postes décisionnels de dans pays, qui te gen pouvoir sous bandi, qui te gen pouvoir dans PNH, qui te gen pouvoir en dedans pays, qui te gen pouvoir pour faire changer bagay yo pour bouger ligne yo. Et bien je ne jodi an c'est yo même qui constate gen gang en dedans pays alors que gen pile bandi la, gen pile chef de gang qui a opéré actuellement dedans la République. C'est depuis là yo té premier ministre nèg sa yo té là, nèg sa yo t'a ferrayé, yo t'a fait, yo t'a défait, yo t'a coupé, yo t'a arraché en dedans pays. Mais pas une fois yo pas jamais assumé responsabilité yo pour yo té wè que gen deux bagages principalement que Haïti a besoin. N'a besoin sécurité, n'a besoin stabilité. Pour que stabilité, il faut que sécurité. Et gang, nèg qui te bandi à l'époque sou yo te supposé, en tant que chef CSPN, passer l'ordre pour attaquer nèg sa yo, pour démanteler gang sa yo, pour faire des armements. L'autre, par exemple, bon, Jean-Max Bellerive lui-même, Jean-Max Bellerive, c'est époque 2010, c'est époque c'est IRH, c'est époque ancien président et Martelly, la mort tout. Mais depuis sous nèg sa yo te gen des séries de gang. Depuis sous nèg sa yo te gen des séries de chefs de gang qui t'a opéré, qui t'a ferraillé, qui t'a fait des faits. Gen moun qui pral vini avec en réalité pour dire, par exemple, Yannick, ou konon bagay, et sous Martelly. Si tu as sauvé, il n'y a pas de comme ça, non? Jean Gang a théorisé mon comme ça, a touillé mon comme ça. Et par exemple, sous PM Bellerive, il n'y a pas de comme ça. Sous Evans Paul, bah, il n'y a pas de comme ça. Et quand l'autre qui cadou, sous René Jean-Charles, il n'y a pas de comme ça. Sous Jacques Guy Lafontaine, bah, il n'y a pas de comme ça. Même Jean-Séan Kavini Laldou, sous pendant le premier ministre, bah, il n'y a pas de comme ça. Même Jean-Jude Joseph Kavini dans le moment là, pendant que il était premier ministre, bah, il n'y a pas de comme ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant, pendant que il était premier ministre, pas de gang. Ça ne veut pas dire pour autant, pendant que il était premier ministre, pas de foyer criminogène qui t'a monté, pas de groupe bandit qui t'a formé. Qui ça a été fait pour empêcher nous arriver dans ce stade là? Qui ça a été fait, qui ça a été pris comme décision pour empêcher nous arriver côté nous hier journée aujourd'hui? C'est la grande question. Tout dit nous ça retire l'idée ça dans tête pour nous dire que oh sous Bellerive sous la mode sous Evans Paul là il y a pas de comme ça pas de comme ça mais qui ça a été fait pour empêcher nous arriver là journée aujourd'hui en tant que ancien premier ministre sous
pour nous venir chita mettre tête nous ensemble, nous sept nous chita ensemble pour n'a constater des gars et puis pour n'a dit que l'inadmissible, l'inacceptable que pays a traversé en situation. Mais pendant belle rive t'es là, s'il te mette balle, s'il te prédisposition pour te combattre corruption, pour te marrer tout nèg dans l'état, tout corrompu, tout criminel dans classe politique là, dans secteur privé, tout oligarque qui gen doit être trempé dans faire zam rentrer en dedans pays en journée jodi a, en vérité nous pas ta privé côté ndeya. Si la mort te fait pareil, nous pas ta privé côté ndeya. Mais bon dou en parlant de la mort, mais c'est même la mort ça yo longe doit sous li toute longueur doit comme ancien premier ministre. Li te fait rentrer des Galil en Haïti et puis Galil ça yo te a distribué au bay bandi dans cité soleil. Malgré que li tente bay des explications sous lui, malgré li tente rectifier la balle, etc. Mais bon dou, pas jamais un sérieux qui fait dans le dossier ça, puisque la justice pas jamais tranché, lumière pas jamais fait pas bon côté la justice pour dire oui ou non, est-ce que le fautif, est-ce que le pas fautif. C'est la corruption nage, c'est la corruption nage. Donc tout le monde, grand monde, tout le monde a fait par eux, gens par eux. Si Evans Paul, pendant que le premier ministre, il te prend toute responsabilité, il te assure que l'IVE tout petit trou vide, côté ZAM après entrer, côté BAL après entrer. Il fait job, il a fait sans parti pris. Je ne dis là. Le Jovenel Moïse, le premier ministre, question pourtant de des séries de monde qui proche sous Jovenel Moïse, qui était dans le palais national, a fait ZAM rentrer. Bah, ça t'a été fini longtemps. Yo pa tap même gen tan joine yo parce que dès le départ moun sa yo tap pran code. Le fait que gen complicité entre premier ministre avec des séries de criminels qui n'ont pas le national, qui n'ont primature, qui se bras droit président, qui n'ont cabinet président, etc. Nous pas jamais rive mettre code dans kou yo, nous pas jamais rive mettre code dans mé yo. C'est tout normal pour yo continuer dans trafic là. C'est tout normal pour n'a bay oligarque corrompu ouvert tu ba yo carte blanche pour yo faire ça yo vle, pour yo importer ça yo vle en dedans pays an, pour yo mettre cocaïne dans sucre dans farine parce que yo gen pour privé yo, puis yo comprendre puis al débarquer. C'est tout normal pour un pays qui gangsterisé, mais son honte, son honte. Et m'a dit nous ça honnêtement, en pile fois me connait des moun yo a dit politique en Haïti c'est sans arrêt avec vagabond le produit. L'on constate que un groupe ancien premier ministre, c'est ça yon lage devant, c'est ça yon lage dans figure, ou pose des tout questions véritablement. Est-ce que nèg sa yon pas sans arrêt? Est-ce que nèg sa yon c'est pas comportement malandrin yon gen? Donc, à se parler, bon li pou ou sa ki dit nan appel patriotique forum ancien premier ministre FAPM. J'en ap gade avec moi là, yon commence pour yon dit. Face à une préoccupante conjoncture politique, marquée par une insécurité généralisée dans la capitale, parce qu'ils ont constaté et conjoncture et politique là, c'est insécurité qui fragilise, etc. Et d'autres points du territoire national, une crise politique persistante, une crise alimentaire dévastatrice, une division qui ronge notre nation, et une tendance à la stigmatisation. Le peuple haïtien au bord de l'abîme attend désespérément un sursaut citoyen réparateur. Le premier paragraphe ça me saute pour là, eh bien ancien premier ça ancien premier ministre ça yo constaté ça qui a passé en dedans pays en conjoncture là, problème politique, problème insécurité, question et bandi kapran qui occupe un paquet territoire, un paquet important de dans pays hein. Yo reconnaît question insécurité alimentaire là, question grand goût la richesse, etc. Yo estime que peuple haïtien attend désespérément, n'attend nous pas capable encore gien volte face qui fait, vous comprenez, pas bon côté et autorité yo pour yo réparer dégâts yo, pour yo ranger ça qu'a fait là actuellement. Yo continue pour yo dit nous sous-signé ancien premier ministre d'Haïti, mu par le sens patriotique du devoir, décide de nous exprimer et de participer effectivement à la recherche de solutions transcendant tout esprit de partialité.
et là yo présenté yo comme sept anciens et premiers ministres et qui animés par le sens du devoir patriotique qui décidaient mettre tête ensemble pour participer à la recherche de solutions et sous problème qui a brassé mille pays qui a brassé mille sociétés. Regardez sept anciens premiers ministres qui passent dans tête l'état qui pas fait rien sérieux qui pas réglé rien sérieux en matière de sécurité. Bon, apparemment, c'est président Jovenel Moïse qui t'est venu avec question à Nia. Tout le monde s'est passé. Moi, je me questionne tête. Est-ce que Haïti a un service de renseignement véritablement? Est-ce que le pays a un service de renseignement qui pour dire, bon, ok, il y a tel citoyen là, il y a tel individu qui décide pour entrer en Haïti? Avant même que Mounsa débarque sous sol là, pour yon gen tan gen ensemble des formations sous li. Parce que vous attendez, récemment la police a présenté un individu qui a 74 ans, qui a vivé aux États-Unis, qui rentre en Haïti. Eh bien, citoyen sa grand moun 74 ans, ça représente comme cousin chef gang et l'homme sans jour, li gen relation à yon, c'est lui même li son élément important dans la question kidnapping gang 400 Marozo a fait. Si tu as un service de renseignement, au moins, le monde n'a pas rentré en Haïti ou tu as dit que tu as une relation avec tel gang, ou comprenez, li se cousin tel chef gang, li son monde depuis dans l'airport, la faut nous t'apprenons pour nous cuisiner, li, pour nous poser quelques questions, pour nous avoir intention, li, pour nous est-ce que tu as toujours une relation avec gang, etc. Nous pas faire nous fin quitter les cabrites là fin rentrer le manger jardin nous il fin gâter récolte là et puis kounia n'a faire route servicolé n'a faire route servicolé pour nous dire mais tel nous combien malheureux yo détruit combien malheureux yo appauvri parce que nous pas jamais assumer responsabilité nous et les jeunes devina avec question et avec question bagaille sinon oh nous pas tourner dans question rien dans cause Toto Makout ça oh qui bagaille pour agent enseignement gagner toute liberté ça pour la faire ceci pour la faire cela pour la faire cela bas mais nous pas jamais ah et président Jovenel Jean bagaille a décidé Jean nous décidé et décréa il pas bon comme ça non mais prend telle proposition. Fait tel bagay pito. Si nous faisons comme ça, la pi bon. Nous gen t'envoye roche sous li, nous lapidel li, patabol. Je ne jodi an la. Qui ça nous gagne comme service de renseignement, KPDPI, KPDPNH, KPD la police? Nous ka compte sou PNH en un moment là, j'en moi bagay yoye la. Avec question tant de la police, li gen propre service sécurité li. Li gen service sécurité li. Zama pour entrer tribo babon dans pays pas konn côté y a sorti comment yo faire rentrer ou pas konn qui est ka vendre ça ou pas konn qui est dans l'état. Ah vrai, on nous continue. En effet, nous sommes profondément troublés par la détérioration continue de la situation générale du pays et galvanisés par l'aide que sursaut patriotique est indispensable pour relever les défis qui accablent notre peuple au quotidien. Par ailleurs, nous demeurons consternés par le fait, après plus de 2 ans, qu'aucune avancée sérieuse n'ait été réalisée par la justice haïtienne, ni une coopération internationale effectivement mobilisé pour élucider les circonstances de l'assassinat du président Jovenel Moïse et qu'aucun des coupables intellectuels et opérationnels n'ait été condamné en Haïti. Bon camper là, bon fond camper dans paragraphe ça parce que paragraphe ça gen moun konnen pral bat bravo k'ap di ah ça son bel coup de crayon que nèg yo fè là parce que yo avancé dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et effectivement, 2 ans après l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous avons constaté en Haïti, et il y a un paquet de nègres qui sont en cavale, des séries de monde
qui gen droit yo trempé dans dossier assassinat président Jovenel Moïse, l'on prend Badjo Félix que DCPJ a cherché tant kou chien fou, la police a cherché tant kou chien fou, la justice a cherché tant kou chien fou, sous 27750 km² pa jam ka joine Badjo Félix. Donc là véritablement faut nous poser question pour nous connaître qui intention la justice sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Mais quelques petites questions pour nous poser parce que moi personnellement j'ai une information qui vient joindre moi. Moi-même connais des séries de anciens premiers ministres là qui étaient vraiment proches pouvoir Ariel Henry, qui étaient vraiment proches Ariel Henry. Est-ce que c'est des décisions que yo prend pour yo lâcher pouvoir Ariel Henry après 2 ans, pour yo lâcher Ariel Henry après 2 ans, parce que Ariel Henry pas réglé rien dans pays et vraiment n'a constaté des gars ou pas rien sérieux qui fait. Et en matière de sécurité, ba nous sécurité, pas ba nous manger ba nous sécurité, n'a chercher la vie pour qu'on. Est-ce que c'est ça véritablement? Est-ce que c'est ça que nèg yo constaté et là qui fait que yo mette et note ça de yo. Mais gon bagay qui extrêmement important. Gon bagay qui a cuit dans international. Gon bagay qui a cuit dans international là et nan jou k'ap gen pour venir là yo véritablement gen des décisions qui pral prend et contre Ariel Henry. Et pas oublier gagner ancien premier ministre canadien et Justin Trudeau qui lui-même dans une déclaration il était fait il fait connaître que premier ministre Ariel Henry a banalisé crise qui gagne en Haïti. La banalisé crise qui gagne en Haïti, pas vraiment gagne des décisions qui prend j'ai espéré le pas bon côté. Donc pour Canada, pour premier ministre Justin Trudeau, Ariel lui-même c'est comme s'il a fait jouer petit tato avec les questions politiques avec les problèmes qui gagne en Haïti. Mais ça qui est extrêmement important pour comprendre, c'est que Ariel Henry, par rapport avec comportement inaction la cause insécurité en dedans pays, il est évident que international là, il y a un géo fixé sur Ariel Henry. Ariel Henry, il pas réglé rien comme chef CSPN dans moment là. Il seulement attend que Kenya débarque et vienne prendre la relève pour lui, pas réglé rien. Donc par rapport avec situation ça, on paquet de doute qui plane, qui ça qui doit faire avec Ariel Henry. Donc est-ce que Nexa yo, ancien premier ministre yo, yo décide yo même yo fait fuite en avant pour yo montrer que yo désolidarisé avec façon gouvernement Ariel Henry a mené bak pays, yo décide yo même yo mette note ça de yo fait appel patriotique ça pour yo montrer que yo même yo pas favorable avec Jean Payan a mené. Yo continue pour yo dit c'est pourquoi dans le cadre du forum d'anciens premiers ministres, FAPM, créé dans un esprit d'ouverture pour un débat constructif avec des esprits éclairés et des acteurs clés de la société haïtienne et de la communauté internationale, nous lançons cet appel patriotique. Nous souhaitons analyser en profondeur les défis au développement systémique ou conjoncturel qui afflige notre pays et formuler des propositions concrètes pour y remédier. À cette étape cruciale pour la suivi du pays, nous appelons à l'unité nationale et à la mise à l'écart de nos différents corps. Haïti a toujours pu faire face à l'adversité par l'unité de ses filles et de ses fils. Nous devons relever les défis de sécurité, de justice et de précarité qui entravent notre développement. Et bon récent, bon avant dernier pour nous, l'entière responsabilité de la situation actuelle du pays ne saurait incomber exclusivement aux acteurs étatiques ou non étatiques présents. Nous, anciens premiers ministres, initiateurs de ce forum, refusons, et notre antigen pas fin vraiment lisible, refusons
et bon, tel bagaille, et lançant un vibrant appel patriotique à tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes où qu'ils se trouvent et les invitant à se rassembler pour ce nouvel élan démocratique national. Et pour M. Ofini, on va connaître que yo même personnellement, yo pas ka anike pran tout ça qui a passé dans pays là pour yo en décider pour yo lever tout chaio yo mettre sous dos acteur étatique yo, ça veut dire moun ki nan tête l'état yo ou bien acteur non étatique yo, que ce soit international ou bien société civile là. Yo pas yo même qui pral anik pran tout chaio sa yo, chaio paysan, chaio gang bandi, insécurité, violence criminelle etc., mettre sous dos pouvoir en place ça etc. Et puis les moun ki si et appel patriotique ça moun ki signe document yo c'est sept anciens premiers ministres, sept initiateurs yo et Jean-Max Bellerive, Laurent Lamotte, Evans Paul, Enek Jean-Charles Batandel et Jacques Guy Lafontaine, Jean-Henri Seyan, Joseph Jout. Gen un paquet nèg la pa jam tande yo et mais kou gen pour prendre et des décisions politiques yo toujours en bas table, toujours là quelque part, reprendre yo nan couloir pour yo mettre si en tu pour yo montrer que yo toujours présent jamais absent. Moi même qui ça me veut comprendre dernier bon avant dernier paragraphe nous saute li pour nous là. Li vraiment sidéré, li vraiment énervé pour qui ça parce que toujours gen des responsables. Toujours gen des responsables. On pays a craser nous faire connaître nous pas ka mettre exclusivement et ça qui a passé dans pays en sous acteur étatique ou non étatique. Mais au moins faire la part des choses. Longe doit être directement sous moun nous estimer qui coupable, sous moun nous estimer qui responsable. C'est pas jambe yo, c'est pas jambe nous. Ka écrasé, c'est pas jambe nous. L'argent volé, c'est pas jambe nous. Yo fait caler Jacques sous caisse l'état, yo piller caisse l'état, c'est pas jambe nous. L'argent dilapidé, c'est pas jambe nous. Nous non corruption, c'est pas jambe nous. Yo assassiné président, c'est pas jambe nous. Faut que nous apprenne placer responsabilité chacun. Faut que nous apprenne dire qui est ce qui fait, qui est ce qui pas fait. Qui est ce qui coupable, qui est ce qui innocent et c'est culture ça. C'est culture pour nous départager moun sérieux de vagabond de malandrien que en pile haïtien pas gagné qui mettait pays en côté là et surtout dans secteur politique. On ne saurait attribuer exclusivement toute responsabilité by acteur étatique ou non étatique. Soit yel complice de ça qui a passé en dedans pays ou bien elle pas complice. Soit yel participe dans tout yé Jovenel Moïse ou bien elle pas participe dans tout yé Jovenel Moïse. Li pas ka les deux en même temps. Li pas ka les deux en même temps. Soit international contribue dans craser Haïti. Yo créé condition pour craser Haïti. Yo créé condition pour gang toujours terroriser nous pour zamak bal toujours après rentrer dans pays ou bien c'est pas yo même. Mais le pas ka yo et puis le pas yo en même temps. Donc c'est là pour comprendre que sept monsieur sa yo. Sept gros bras sa yo, gros chabrak politique sa yo, sept ancien premier ministre sa yo, c'est sept ranseur yo pour moi. Ba konn pour vous. Peut-être l'idée principale pour yo te publier document ça, pour yo te faire appel patriotique ça dans tête yo te comprendre que c'est pour yo montrer yo sensible par rapport avec douleur, nous malheur, nous problème dans dedans pays. Mais résultat escompté, à résultat final c'est que yo voye vent yo. Yo voye vent yo, tout ça yo dit dans document CBS yo. Yo voye vent yo. Faut nous apprendre faire la part des choses. Joune jodi a ou même qui a gardé situation pays que en Haïti que en diaspora qui est ce qui coupable qui est ce qui responsable ça n'a vie joune jodi en dedans pays soit Ariel complice soit Ariel responsable ou bien pas responsable soit Ariel coupable ou bien l'innocent mais pas dire que nous pas qu'à mettre toute chaîne là sous dos ni international ni société civile ni pouvoir en place. Eh bien qui est nous même la population, nous même peuple là. Eh bien oui vraiment. C'est nous coupables. C'est nous coupables parce que nous acceptons un groupe malandrin traîner pays en côté li, un petit pays qui était si douce. Un petit pays là époque fête champêtre, les vacances d'été mon cher ou même qui gon petit province pour dire ah ah maman, papa connaît
m'a pris vacances dans le lait, m'a pris le grand nous d'ailleurs, m'a pris le grand pour qui ça? Et pas grand nous, m'a pris le non? Ou pral fait toute journée à ben nan sous nan rivière, toute journée ou pral kay mango, toute journée nan tout konnan tout tirage a chercher journée jodi ou kwè moun la Tibonite ka voye petit jeune en vacances, ou kwè moun la Tibonite ka voye petit jeune en vacances ki la Tibonite, ou kwè moun Saint Marc senti yo confortable, moun go naïf, moun Leicester senti yo confortable ki bo moun kwa de bouke, ou kwa yo ka di yo pral voye pitit yo alwe tonton ma tante nan sud peyi an kote ou pral pase kote sud peyi an bloke li bloke al mande izo autorisation et pa riye ou pral mande autorisation al mande izo parce que jounen jodi an nou tellement pa gen l'état, nous tellement pa gen l'état, tellement complice nan kreye gang, nan kreye bandi an dedans peyi an. Hier m'a tande chef gang Luxon dans la Tibonite qui baille 72 heures dedans, li baille autorité la police yo et 72 heures dedans pour retirer un petit chablen de yo mettre dans kafou paye. Si yo pas retirer yo, il pral faire massacre, il pral touyer, il pral racher, il pral dépatcher moun dans la Tibonite, etc. N'a fait pays qui paye? Qui paye sérieux? Pour t'attendre chef gang a ba ultimatum et puis la police pas réagir automatiquement. Pour pas attendre bon on taxe force qui monte, côté on dit on pral rentrer dans fief bandi, on pral déloger bandi. Qui paye sérieux? Est-ce que fait toujours considérer Haïti comme risible? Comme aider la caillou, coin la caillou. J'entendais Donald Trump te dou, Haïti c'est tout la trine, nan pays de merde là, etc. Et ça fait un pile pays a toujours considéré nous comme ça. En Haïti, ce n'est jamais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et pourtant, nous passons moun sérieux dans le pays. Nous passons des hommes intègres, honnêtes dans la politique dans le pays. Dans la diplomatie dans le pays. Mais ça fait ça. Tellement remonté longtemps. Si ou pas fait histoire, si ou pas qu'on parle avec grand monde, ou pas j'aime qu'on était remonté dans le firme qui te passe dans la question politique de dans le pays. Ou pas j'aime qu'on était des hommes valables qui te passe dans la question politique de dans le pays. Yo considéré yo comme pionnier dans la politique. Mais nous pas qu'être malandré qui sont de côté, yo sorti tout chaud, tout bouquet, depuis yo fin présente démocratie. Hein? Yo rentre men yo tout longue et puis yo krasé pays en plate. Yo krasé pays en plate. En pile haïtien, gen nostalgie, jodi a gen nostalgie dictature la parce que yo dou ah sou Duvalier mon cher, moun te respecte moun, te gen ti Marocain, oui mais pa gen question nèg exam vin la caillou, vin manko de gars, une fois couché petit. Ah, comme ça. Ah, kabri gade je met ka avant l'entrée. Ça veut dire que tu es sous Duvalier, sous dictature. Ou regardez des séries de photos à l'époque dictature. Je porte au prince de belle. Porte au prince de neuf. Ton jeune petit. Porte au prince de un jeune petit gen. Tellement ville là, t'es belle, ville là, t'es propre. Pas de paquet fatra monté 17 août. Je dis à nos bons porte au prince qui sont territoires divisés, des territoires perdus. Si m'ta reprenne ministre. Justice. Ça peut y avoir, je veux dire. En tout cas, et bon, mes amis, pour clôturer et note ça, appel patriotique ça, que cet ancien premier ministre et aussi un mette de yon là, et m'a dit honnêtement, moi j'ai une série de monde qui va dire, ah, Annick, ou regardez cet ancien premier ministre qui choisit mes têtes ensemble, ça yo. Et faut monter apprécier ça ou pas qu'on apprécie. Regardez, il y a des monde qui a dit ça, vous voulez. Et m'a tout dit, c'est pas apprécier, pas qu'on apprécie hein. Le politicien fait ça bon, dit il fait ça bon. Le nèg yo transcende, yo mette go de côté, me dit mais là, on est sérieux mes amis. On est sérieux avec tête. On est honnête avec pays. Cet ancien premier ministre qui te gen possibilité pour changer ça nan viv jounen jodi an nan question nan cause sécurité nan pays an, qui pas fait un rien sérieux, qui pas régler rien, qui pas bay résultat, et puis jounen jodi an tout ça yo fait c'est constater des gars yo,
C'est chita constater des gars pas même en mesure pour yo dit qui est yes, estimé qui responsable de ça qui a passé en dedans pays et puis pour m'ta dit m'bra l'apprécier pour m'ta dit m'ta oh c'est valable ça mettre dehors ça mettre dehors pas valable pour moi et m'vle nous connaître ça m'clair sur ça donc par rapport avec situation pays il est évident que moi même si m'ta mandé journée jodi an là avec cet ancien PM Zayo, pour yon ta baye de tu en note, fon ek Zayo ta, je cherche en pile, pour yon ta même baye de tu en. Pour yon ta même baye de tu en, fon yon ta sans en pile. Parce que yon groupe nek ki pa regle, en yé, m'pa kwe na continue vin prefrem, vin fè fou la yon nan figi pepla. On dirait que vous considérez que papa ici en son paquet imbécile, nous son paquet et moun sans comprendre, vous comprendre et nèg yo vini un bon matin moun yo vini yo ba nou ça yo vle jan yo vle puis n'a pas accepté n'a bol. Non. Peut-être c'était hier mais pas jodi. Et pas jodi. Donc ou même pas connait qui note ou ka bay cet ancien premier ministre. Mais ta bon pour ta fait ti exercice ça, ba yon note après et document ça ou apprendre yo mette dehors et que moi partager li avec vous et ça extrêmement important et nous pral avancer n'avancer et nous connaît dans jour qui s'est passé yo Ariel te prend disposition pour mettre campé au conseil transition HCT depuis après deux jours HCT te organisé forum deux journées forum za yo et qui dans opinion publique là c'est un véritable fiasco c'est un échec parce que pas quatre parti politique structure politique t'ai choisi boudel y a pas de vin chita dans forum là etc après forum et direction tête droite quand y a t'ai allé dans réunion carré comme t'as fait bon et justement on a parlé à là et accepté pas vraiment bas résultat avec question sécurité ou te promettre yo pral résoudre là pas vraiment gen rien de concret qui fait. Eh bien par rapport avec situation pays et par rapport avec force multinationale ça qui plane et soir ni pays gagné Himmler Rebut qui a fait dans moment là un véritable plaidoyer et pour causer force multinationale ça Himmler Rebut li parler li te ba en entrevue à dans émission et matin débat bral permet ou revivre li parce que gen des bagages qui dit qui extrêmement important mais gen des séries de bagages qui dit tout qui méritait pour opiner sous li parce que en tant comme politique homme fort dans politique là en Haïti m'estime que gen quelques bagages avant que yo dit faut yo peser reprendre a gen quelques paroles avant dit yo faut peser qui poil ka gagner dans opinion publique là qui poil ka gagner pour moun k'ap tande k'ap gado k'ap dil yo et ça li vraiment important donc est-ce que Himmler Rebut li fait fly dans campagne lien est-ce que il fait fly dans parole dans proposition li avancer etc. ou ap gagner pour garder et opiner sous li ou même on nous garder ensemble Himmler Rebut. Et colonel Himmler Rebut, colonel comment nous est? Bon, nous vivons, oui. Ouais, nous vivons. Ouais. Nous vivons nous camper. Bon, nous après grand pile consultation qu'a fait à gauche à droite. Gè des réunions par Zoom qui fait et gè ta gon marché pressé pour compléter HCT qui va mener vers un remaniement du cabinet ministériel. Et kotoye nan tout bagay sa yo. Bon, effectivement, gen plusieurs rencontres k'ap fèt au plus haut niveau et au niveau de plusieurs secteurs. C'est bien. Mais ce sont des rencontres qui k'ap fèt sous le sceau de la discrétion totale. OK. Et moi-même, moi pas participé à cette discussion sa yo. OK. Mais moi au courant parce que ça impliquait le collectif du 30 janvier. Bébé. Et il y a un pile d'efforts qu'on fait pour faire rejeter une solution. Ok. Mais il y a un pile monde qui croit qu'ils sont capables de camper sur la corde raide alors que le pape a un résultat. Donc, étant donné que Gré fait partie du collectif là,
y au courant de nature discussion. OK. Mais la consigne, c'est que nous ne pas divulguer rien avant que nous pas arriver à une solution. Très bien. On allait. Allez-y. On allait. Et il est clair que nous, c'est dans la route pour nous compléter à CTA. Non. Ça, c'est une position. En position, très bien, ok. Ça, c'est une position. Ok. Et une bonne explication, et ça, c'est position gré. Et citoyen, il me l'a rebut que moi. Et c'est tel ça que m'a défendu dans toute discussion. Très bien. Nous pas qu'à vouloir pour toute bagaille dans le pays à nous faire en dehors de la loi. D'accord, très bien. Et le motif que tu as écrit sur les lois, disons que les lois découlent de la nature des choses. Des choses, très bien. Et que ta plus importante dans la loi, c'est esprit loi. Cela veut dire que l'on n'a pas de possibilité pour appliquer la loi telle qu'elle. Attitude, c'est aller le plus proche possible de sa loi, t'as dit ou voulez dit. Ok. HCPA, c'est une entité qui gagne environ 8 mois d'existence. Bien, bien. Parce que à quoi signé le 21 décembre et nous, qu'on y a au mois d'août. C'est même gens où t'es gagné des bagages qui te prévoient dans l'accord 11 septembre, non? Yo tellement mal monté au départ, pour mon guide monté là, après 14 mois, yo pas qu'à bêter leur application. Très bien, très bien. Ça fait population perdu 14 mois dans la ville. Très bien. Yo vin avec un bagage qui est accepté. Qui s'est accepté là? C'est deux, trois moun qui ont l'esprit vicieux, qui a pris idée, qui t'est sorti dans le consensus. Pen Montana Gray. Avec le sénateur Lebert. Oui, qui te dit pour te mettre un collège présidentiel. Bien, bien. Là où est bagaille monocéphalie, a pas qu'à marcher. Il y a fabriqué un bagaille que j'ai acheté qui vient avec un collège. Je dis à le collège a composé de trois mounes. Maintenant, c'est là où fin fait bagaille ça qui pas marché. Nous comprenons les gens capables d'entrer là-dedans en dedans un bagage qui mal fait. Yeah, bien. Mais que Algade arrêté qui va accepter à existence, au monde va souvent entrer dans accepter, va confirmer Ariel Henry comme incapable, comme méchant, comme incompétent, comme criminel, va confirmer comme roi de la terre. C'est bien. Parce que Ariel est responsable de l'IA depuis plus de 28 mois, 24 mois. 24 mois. Il n'y a pas aucun résultat. Moun vin plus pauvre, il y a plus de monde qui a mouru, il y a plus de monde qui a déplacé. S'il n'a pas fait exprès, il est au moins incompétent. Eh bien. Donc, en fait. Il n'y a pas qu'à Alba, il est incompétent comme homme. Eh bien. Mais en fait, si je comprends bien là, maintenant, il y a deux positions. Gon groupe qui composition pour ta compléter à CTA et puis gon groupe qui composition dans même et pour ta refaire pour ta rebattre quatre là normalement parce que Ariel Henry ça le besoin lui besoin pour la fourrer mon à CTA. OK. On l'autre à CTA d'après madame Maniga son mon qui est compétent qui est capable totalement. Ouais. Depuis 7 mois il à CTA chaque seul pas capable de résultat. Okay. Parce que quand accepter à Montia, il pas permettre des idées nouvelles. Bien, bien. Or, côté nous, là, même après, demande que les États-Unis aient fait des marches, parce qu'il y a réellement un demandé pour venir occuper le pays, pour venir avec force, etc. Moi-même, en tant que militaire, en tant qu'officier de l'armée, je reconnais que situation de faiblesse combinée, et de l'armée et de la police pas qu'à faire face techniquement à problème qui est là. Eh bien. Maintenant, ça n'a pas voulu dire premier problème, la police gagne et l'armée gagne son problème de compétence au niveau de la gouvernance de l'État. Eh bien. Et ni la police, ni l'armée
c'est le monde Ariel Henry avec l'équipe Mounji Milicien qui mettait en bacode. Yo pas bay moyen, yo pas bay autorité pour yo décider pour faire opération d'affaires pour d'affaires. Bien bien. Donc il est difficile pour moun normal à rentrer dans bagage ça. Pendant nous d'après le là, moi fait ce pour décision que me va rentrer dans réunion avec collectif là à soir. OK. Pour montrer américain oui, yo assistance étrangère indispensable. L'indispensable, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais pas la forme d'appel là. Eh bien, mais faut qu'on connaît, hier nous t'ai gagné une analyse qui était très pointue dans l'émission de débat. Et avec Stanley Luca, moi c'est qui était très important. Jodi a tout dans close nous balgué avec force qui a venu. Vu que c'est Kenya, vous connaissez au Kenya gagné Ebola, qui a fait rage, de la fièvre jaune qui a fait rage. Il faut que nous gagnions des clauses qui, depuis au départ, qui posaient des conditions qui dit que si Nexa a une Ebola dans le pays, mais qui est-ce qui est responsable, mais qui est-ce qui a dédommagé, mais qui j'ai à dédommager les gens qui prennent Ebola, est-ce que vous comprenez? Moi-même, moi fais Abdoula. Moi, pas qu'on croit que bagaille Kenya, c'est la meilleure solution pour Haïti, Gounia. Kenya, on va croire que Kenya, c'est la meilleure solution pour Haïti, tant sur le plan technique que sur le plan de bagaille maladie et ouais. Brutalité à Paléa. Ouais, très bien. Moi, j'ai conviction que, avec un support sur le plan technique et technologique des États-Unis, du Canada, il y a suffisamment de techniciens en Haïti qui connaissent le terrain, qui connaissent le problème, là, qui sont capables reconditionner des unités spécialisées en dans la police nationale avec population pour résoudre le problème ça là vraiment. Eh bien. Moi j'ai conviction sur le plan technique. Si Kenya vient là, nous allons tomber exactement dans le même bagage nous avons avec ministre. Eh bien, oui, maladie bagage. Ouf, parce qu'il vient là qu'il fait comme si qui pas de courage pour la résoudre le problème dans le fond. Je mette un petit pansement sur gros Java, je fais une élection pour n'aller tomber dans l'ombre qui brûle plus grave de. Pire, c'est clair, d'accord. Donc, j'ai des propositions sur lesquelles ma travail là, derrière vos documents, nous avons pour nous préparer au niveau collectif là. Et c'est sous travail, ça mieux qui fait binouer, faut nous approcher les questions de manière différente. Très bien. Nous n'avons pas capable à contribuer avec Ariel Henry. Non, on a fait occupation du territoire avec tout risque d'air pour moun qui a bien violé femme et tuer moun faire et exécution sommaire. Population haïtienne a montré nous que si des moun compétent, décidé, qui capable de tête l'État, problème n'est capable de résoudre, seul bagage n'a besoin de support sur le plan technique et technologique pour résoudre le problème banditiste de manière radicale et définitive. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique, et les non-dits. Mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et bien sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sont-ils le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, que chez Chanel par là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la vallée pays, nous prenons le faire des bases.